c'est le week-end, c'est le crafting. Let's go. Je vais aller chercher mon ticket de tombola. Je vais l'ouvrir. Et ensuite, je tenterai un opening de... Enfin, pas un opening, je veux dire un crafting. Ça y est, ça a changé. Génial. Ouais, c'est écrit chest et après il y a un DS2, donc je pense que c'est quand. Ah, là c'est des comment? Ok, d'accord. Là c'est des compagnons en fait. Oh là là, il y a des compagnons perma à gagner qui donnent des j'imagine des trucs de ouf. Oh putain, mais ça fait 3 fois d'affilée que j'ai un Golden Potion Bag, c'est bien, hein. Il y a des trucs de ouf dedans, mais bon. Ouais, génial. En plus, les gold, quoi. Oh là là. Trop le pire. Oh, what the fuck. Lui, il est level 60, il est là avec son épée. Il est full doré, ce con. Il est full plus 10. What the freak. Lui aussi, il est full plus 10 et il a une épée spéciale. Mais quoi. Ah, ça se trouve, lui, c'est un reroll de lui, peut-être. Je sais pas. Il est terrifiant, lui. Il lui t'arrive dessus en PVP, je pense qu'il te... Bah, il te saccage, hein, je pense qu'on peut le dire. Et du coup, lui, il a une grosse épée. Je pense que c'est plutôt fait pour le PVP, j'imagine, la grosse épée, j'en sais rien. Il est beau, lui, aussi, hein. Full verdure. Alors, je vais prendre ça. Je vais aller tenter. Hop là. J'ai 2 sabres plus 7. On va aller tenter de le mettre plus 8. Sachant que je ne sais pas ce qu'il faut après. Je sais plus, du moins. Je vais voir ça. Bon, déjà, il faut que ça passe. Hein. Je pense qu'il faut que je fasse un coup pour du beurre. Ah, mon petit cœur. Mon petit cœur qui se brise en 1000 morceaux. Ah là là, je suis dépité, quoi. En tout cas, c'est beau, hein. Putain, un full 60 armure max doré. C'est à ça que tu ressembles. D'ailleurs, j'en ai vu un de petit dragon. Je vais regarder vite fait les stats. J'ai vu un type qui en vendait. Bah tiens, voilà. 5% de déplats, 500 d'HP, 3% de bonus de gold. Ah ouais, nous on a quoi? 500 HP, 3% de bonus de gold. Bah en fait... Tout ce que tu gagnes c'est 5 de déplats, bon c'est pas non plus de la merde, hein, mais... Un petit peu quoi. Il vend ça combien la pile lui? Il dit que c'est un barjolet. Le bâtard, il a eu un violet. Ah, mais oui, je viens de tilter un truc. Je crois que je viens de tilter un truc. En fait, c'est... Hop là. Merde, non, c'est pas ça. En gros... Oui, t'as différents tiers. En fait, le tiers violet se consomme que quand tu l'équipes. Le tiers bleu se consomme dès que tu l'as dans ton inventaire. Et le tiers gold, tu l'as en infinite. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chatte. J'ai eu un tigre en bleu. Donc, c'est chaud. Ok, ok. Donc là, sachant qu'il y a 2 semaines, il reste un mois encore. Enfin, il reste un mois et non, il reste 3 semaines, pardon. Du coup, donc là on a eu le droit aux montures, là on a le droit aux familiers. Je suis curieux de voir la suite. Qu'est-ce que ça va être alors la suite? Une cape peut-être? Je n'en sais rien. Ah si, ben là ils vendaient des coffres, à un moment donné, des coffres de citrouille là.
Ils vendent quoi là-dedans? Enfin, il y a quoi là-dedans? Il est plus là, Citrouilleman. Après, il en vendait plein. Ah, s'il est là. Je vois tous les jours et ça ne change pas. 2-2, 2-2, ça c'est toujours là, pareil. Donc là-dedans, on peut gagner Carnivorous Plant Black. Alors, il y a les Mounts, il y a les Pets. Tous les Pets, c'est les mêmes. Ah non, il y a les légendaires. Ah. Special Heavens. Ok. Mais du coup, sur lui, c'était quoi? Carnivorous Plants. Griffon. Que ça, ouais. Carnivoreuse plante et griffon. Plante carnivore, griffon. Ça a pas l'air d'être dedans. Ce serait une monture spéciale Halloween alors? Ah, c'est possible. Hein. Ok. Et donc ça. Bah ça change rien en fait, oui, j'ai seulement de tilté, mais oui. Le gold drop bonus 3%, le 500 HP et le 5%, oui, ça change rien en fait. Oh, le gobelin rouge là, il déchire sa mère. Le vieux truc moche. Le frozen crocodile aussi est pas dégueu, hein, mais j'avoue que l'espèce de petit gobelin rouge là, double dague, il est extrêmement stylé. C'est génial. Je kifferais trop avoir un petit mob comme ça qui me suit partout avec des petites dagues. Je sais pas comment il se drop. Hein. Ah, faut que j'aille voir dans les potions. Bah, elles sont pas dedans. C'est super. C'est super génial. Hein. Elles sont pas dedans. C'est génial. Il y a les grosses potions là, mais justement, je sais pas combien de temps elles durent celles-là. Ou combien d'HP elles contiennent. Parce que ça pourrait être cool ça aussi. La Smith Systems. Paf, 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 paf. J'ai vu qu'il y avait un Smith comme sur. Bah, comme en classique quoi. Ou au bout d'un moment. Ah, c'est ça qu'il avait le type. La Knight of the Sands Chase Plate. Attends, t'es en train de me dire que pour le mettre à 9. Ah non, oui, de 9 à 10. Il faut vraiment tout ça. Vache. Le mec, il a une paire d'heures de jeu quand même. Par contre, il y a un truc qui me chagrine. Bon, après que le jeu soit pay to win, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Ça me choque pas vraiment, quoi. Ah si, c'est ça les potions. Bah elles sont là. This orb is overflowing with restoration magic. Smashing it will heal you to full health and restore your mana to full instantly. Utilisation restante, une. En fait, lui, c'est juste un cheat code pour le PvP, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a ça, le type en PvP, il a plus de vie. Au lieu de taper une potion au coquet avec ses genre 30 000 HP, paf, il tape une orbe de heal et là il s'en remet full vie instant. Donc en PvP, ça peut être hyper fort ou sur un boss un peu dur à faire et tout. Il y a des boucles de focus, Rishon Scroll. Et voilà, ils vendent les pare-chauds pour upgrade moins cher. Et encore là, il descend de 1 quand même. C'est un truc de fou furieux ça. Ouais, les pets sont stylés, hein. Lol. Bah quand je vois tous les events qu'ils font et tout, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de se faire chier. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des. Du premium, tout ça, bah enfin bref, c'est tout, tant pis.
va changer de live. Mais avant, on va stocker les super objets. Mais bon, petit à petit, on va y aller. Là, tous les jours, je me connecte pour avoir des pets, des trucs, des machins pour upgrade mon armure 29. En vrai, faut juste que je pexe, hein. Je pexe en boucle comme un gros débile. Je passe level 30. Je découvre un peu la suite de la map. Puis je pense que ce sera la fin de l'aventure. À partir du level 30, j'aurais peut-être envie d'avoir une LP. Je verrai bien. Enfin, c'est sûr même que j'aurais envie d'avoir une LP. J'ai envie d'arriver jusqu'à la LP, d'y mettre 2-3 try dedans, et puis basta. Mais ça n'ira pas plus loin, je pense. Au moins, histoire de découvrir un peu toutes les maps, un peu tout ce que ça propose. D'upgrade encore un peu le gear, mais bon, c'est pas un jeu. On va lancer du. À la bien. Online. On va couper le stream.